Allez, salut tout le monde, c'est Tazorik Pérassia, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 1 de notre tout nouveau Let's Play 100% sur Super Mario Galaxy 2, The Cosmos Collapse. J'espère que vous allez bien, voilà, pour ma part, écoutez les amis, je vais très bien, souvenez-vous du coup, ben, les amis, dans les roomhacks précédents, je vous avais fait tout simplement la version, et on a fini cette semaine la version The New Green Stars, tout simplement, et du coup, ben, on s'attaque directement, voilà, à Cosmos Collapse, qui en fait tout simplement est une roomhack créée par Bruno Zoid, vous avez du coup le blaze dans la en bas à droite de l'écran, et du coup il y a 100 étoiles si je dis pas de conneries au total, donc du coup bah, c'est quand même une roomhack assez grande quand même, enfin il y a quand même quelques galaxies, voilà, c'est pas une petite roomhack. Et du coup, ben, les amis, moi, je suis très content de vous retrouver pour ce let's play, vraiment. On va, alors, évidemment, alors, pour comprendre un petit peu cette roomhack, c'est une version un peu plus difficile. Alors, pas une Keizo, hein, c'est pas une Keizo, mais c'est une version, en fait, modifiée de Mario Galaxy 2, qui, ou de cas où, c'est une version où il y a des nouvelles planètes, etc., qu'on n'a jamais découvert, dans le jeu, en tout cas, on n'a jamais vu dans le jeu. Et du coup, ben, c'est une roomhack, quand même, qui est censée être assez tendu, voilà, c'est pas un Keizo, mais ça pourrait se rapprocher d'un Keizo. Voilà, ça permettra tout simplement de repousser mes limites, on va voir un petit peu, sachant que bon, on usera de save state si vraiment on galère comme un chien. Et du coup, voilà, on va create a new file, on va mettre le petit pitch. Voilà, donc normalement ça s'enregistre bien, je regarde, voilà, j'aime bien quand ça s'enregistre bien. Voilà, World 1, the Great Space Journey Begins, pas journée begins. Donc c'est parti, on va essayer. Not Land Mastery, ouais, Stardust, bon, oui, bon, ça, il fallait s'attendre, du coup. Tiens, Mario. Voilà, donc, déjà, l'atmosphère a changé, le ciel a changé. Voilà. Donc, là, on dirait, ça a l'air de débuter comme sur un premier truc Mario, enfin, le premier... En fait, comme dans un vrai Mario Galaxy, quoi, en fait. Tac. Donc, on va pouvoir découvrir tout ça. Et il a l'air d'être perdu. Enfin, ouais, confuse. Il a l'air d'être un peu perdu, tu m'étonnes. Il s'est pris tout de suite d'affection pour Mario. Je connais vraiment par cœur la phrase. Voilà, le cap de Mario surgit d'un pouvoir mystérieux scintillant. Voilà. Tac. Ah, par contre, du coup, on va quand même récupérer les fragments étoiles parce que, du coup, ben, c'est vrai que on est dans une nouvelle roomhack et il se peut qu'on ait besoin. Attention, screamer, voilà. Oh, trop stylé. Oh, on s'en fout des lumières, hein, concrètement. Désolé, on n'a pas le temps. Tu es arrivé trop tard, Mario. Bon, en fait, c'est le même chose que dans Mario Galaxy, en fait. Enfin, dans le deuxième, quoi. Même les phrases et tout. Ah, je suis énorme. Je suis plus terrifiant comme ça, voilà. Bon, en fait, il dit la même chose que dans le jeu Vanilla, quoi. Par contre, j'espère que c'est bien... Pourtant, il est marqué collapse, hein. Ça a marché, la roomhack. Mais le truc, c'est qu'il fait nuit. Donc, certainement, parce qu'il fait pas nuit, normalement. Il est censé faire un jour dans le jeu original. Donc, je pense que oui, ça marche, mais... C'est peut-être une petite introduction tranquille, quoi. Mario ! Mais a amené la princesse au centre de l'univers. Bon, ça, on commence à connaître, hein. Oh, Mister Luma, voici, voilà, tu... Bon, on commence à connaître, hein, voilà. On a le jeu Vanilla. Tac. C'est parti. Donc, est-ce que là, on va pouvoir découvrir... On va avoir une nouvelle galaxie, parce que si c'est la planète... Enfin, la station stellaire, je vais péter les plombs. Ah, si, c'est bon. L'environnement a changé. The Great Space Journey Begins. Sky Station Galaxy. Alors, c'est la station stellaire, mais... Est-ce qu'elle a été modifiée ou pas?
Mais pourquoi ça n'a pas été modifié? C'est normal? Je sais pas si c'est normal. Tac. On va quand même récupérer les fragments étoiles, hein, si on peut. Ah, si! Ça a été modifié, ça va. La comète, vous avez vu la médaille comète, elle est où? Ok, bon. Ça me rassure un petit peu, je vous avoue. Par contre, alors, je sais comment on va faire pour la récupérer. Enfin, ça me rassure un petit peu parce que je vous avoue que je commençais à stresser. Ah, il n'y a pas le tuyau. Ah, peut-être on pourra le récupérer qu'à partir du deuxième shine. Shine. Du deuxième étoile. Bon, du coup, c'est tout nouveau. Ok, c'est bon. Et parce qu'il n'aurait pas mis le truc là. Bon, par contre, du coup, on peut pas la récupérer, malheureusement. Voilà, on peut pas la récupérer, la médaille comète. Hein. Enfin, ce sera du coup pour le prochain niveau. Parce que le prochain niveau, normalement, il est censé avoir les tuyaux. Mais normalement, il est censé avoir les tuyaux. Donc, c'est ça qui est très bizarre. Hein. Ok, bon, bah, pas tant pis, hein. Ah, au cas où, on va pas avoir les 9999 fragments étoiles, hein. Je précise. Ah, d'accord. Ah oui, parce que de base, on peut côté. You got that comet medal. Voilà, bon, on l'a fait. Bon, ben, finalement, c'est bien une version modifiée. Ça va, ça me rassure. Ça me rassure, c'est bien une version modifiée. Allez. Et du coup, ben, on va pouvoir monter là-haut. Alors. Deluma, merci de nous aider. Voilà. Et c'est parti! Ah, c'est bon, si ça modifie que ça, pour le moment, ça a l'air d'être tranquille, hein. Après, c'est une introduction. Ah! Non! Regardez! Des morceaux d'anneau étoile. Alors ça, il n'y en a pas, hein, durant Love Giovania. Ça, je suis très très... Ah là là! Je suis très hypé. Ok, donc il y en a une là. Y en a une... On a vu une là, une là-haut. Ça fait bizarre de contrôler Mario, parce que j'ai l'habitude de contrôler Luigi, du coup. Ah, du coup, quand on va récupérer une étoile, on va pas attendre de Yaha! Dégoûté. Je suis un peu dégoûté, mais bon, tant pis, hein, c'est pas grave. Hop, là, deuxième. Merci. Bon, concrètement. Ah, on en a vu une. Yestra Life. Tac. 3. 4, on l'a vu, celle-là. Ok, one more left. Ok, si c'est une version plus compliquée, c'est ça que j'aime bien, moi. Attention, dégage. Ok, on peut pas aller en bas, là. Tac, parce que là, on aurait pu avoir plein de fragments étoiles, mais bon, tant pis, hein. 4, donc certainement la dernière, elle est là-haut. Tac, voilà. Ah, on en a trouvé 4. Normal. Ah, ok, j'ai rien dit. L'autre est là-bas. On s'emmerde pour rien des fois, Zurich. Ouais, des pièces. Bon, après, on s'en bat les couilles, ça, concrètement. Ok. Ah, c'est pour faire apparaître ça, sinon on est un peu dans la merde. Et du coup, ça, c'est pour revenir en arrière. Ok, si on a développé. Bon, bah, c'est génial. Ok. Oh, ça tourne vite. Oh, il tourne un peu plus vite, d'accord. On peut voir toutes les différences. J'arrive à constater à peu près toutes les différences. Oh, je vais certainement en oublier, hein. Ça, c'est... Je vous assure que ça sera logique, mais... Ouais, ça s'enregistre, ça s'enregistre. C'est bon, ça s'enregistre très bien. Wow. Ouhou. C'est chaud, ça, Zurek. T'as par contre le nombre de vies qu'il me donne. On sait qu'on va perdre beaucoup de vie, du coup. Oh, du coup, c'est pas qu'une version Kaizo. Il y a des galaxies qu'on n'a pas encore jamais vues. Dites-vous que c'est quand même une autre histoire, voilà, que Mario Galaxy. Voilà. C'est une autre histoire que celle que vous connaissez tant. Vas-y. Parce que c'est une goinfre Luma, on sera toujours content de... d'avoir des fragments étoiles
Ah, pas dans... C'est quand dans la world map, quoi. Bon, au niveau pièces, si on tombe dessus par hasard, on fera l'effort de récupérer les pièces. Oh, du coup, le but est de faire le 100%, hein. Donc, de récupérer les 100... Enfin, de récupérer les 100 étoiles, quoi. Tac. Ok. Après, je vois pas, au niveau des boss, comment ils vont... On va gérer les boss, enfin, je veux dire... De base, les boss sont pas non plus le plus difficile à craindre dans le jeu, quoi. Voilà, on y va. Voilà la petite dino piranha. Bon. Ah, pas le temps. Alors, il n'y a pas de pièce, vous avez vu ici. Donc, ça veut dire si on se fait assez toucher, on est mort. Ok, donc oui, c'est une version... Enfin, on peut voir. Du coup, ça inaugure un petit peu cette roumac. Une bague, là. Bon, si c'est pas trop tard, j'aimerais bien récupérer ça, là. Ok. On va éviter de se faire baiser. Merci. 1. 2. Voilà, et du coup on y va. Voilà, on l'a fait. On l'a fait. Et notre première étoile sur 100. Ouais, 1% du jeu. Je crois qu'il y a 100 étoiles si je dis pas de conneries. Donc première étoile du jeu. Donc ça nous fait 1% du jeu. Avoir du coup une world map, je sais pas, je regarde si ça s'enregistre très bien. Oui, c'est bon. Comme de mes dents, voilà, des fragments étoiles et des pièces. Oui, Mario, les lumas m'ont dit, voilà. Bon, on connaît, hein. C'est en fait, dites-vous, c'est la même, c'est l'histoire vanilla de Mario Galaxy, là, en fait, ce qu'il nous dit. Oui, Mario Galaxy 2, quoi. En gros, vous voyez mon let's play, c'est la même chose. Spaceship a besoin d'énergie pour fonctionner. Oui, bon, ça c'est un peu logique. Là, ce qui nous intéresse, du coup, c'est plus les galaxies, enfin les nouvelles choses, en fait, tout simplement, qu'on a encore jamais vu dans le jeu Vanilla. Donc voilà, donc l'histoire, on la connaît. Et... Si c'était une nouvelle histoire, ok, mais là, l'histoire, on la connaît. Par contre, les autres roumacs, comme Starshine, etc., c'est une toute nouvelle histoire. Donc, on lira bien les dialogues, etc. Même Collector Axianti, on lira bien les dialogues. Neo Mario Galaxy, il me semble que c'est pareil. On lira les dialogues, etc., etc. Donc, Mario Galaxy 64 également. Allez, on a même le temps de s'attaquer à la prochaine galaxie. Et du coup, on va aller voir ça. Par contre, j'ai mis ma... On va mettre carte mémoire, là c'est... Toujours mieux de mettre la carte mémoire, merci. Alors du coup, ceci est une la world map. Donc elle a été le background a été modifié. Mais ok. Bah écoutez. Bon, alors là il y a 2 étoiles, on va quand même aller la récupérer. Bon ça on va s'arrêter là après pour aujourd'hui. Si on arrive à faire une galaxie par épisode, ce serait bien. Unlocking the Sky Fleet. Ok. La base, ok. Là-bas, il y a l'étoile. Oh. Oh. Vous avez vu, il y a... Un truc pour une carapace... Pour un coffre doré, ok. En plus, on pourra s'aider de ça pour monter. Il n'y a rien pour buter les champins ici. Ok, il n'y a rien. D'accord. Get me the key, oui, il faut une clé. Ah mais c'est que la clé, elle est où?
Ah, ok, en fait ça va être progressif, vous avez vu, regardez. Oh, c'est trop génial. Regardez, tac, une clé, on va débloquer, voilà, l'interrupteur là-bas, qui lui va nous débloquer un autre truc, etc. C'est génial. What the fuck? Merde. Attendez, ça m'a débloqué quoi là? Ah, la clé là! Ok, ça a juste créé une clé. Voilà. Bon. Ça a débloqué quoi comme zone? Ah! Une switch. Ça a débloqué une clé. Ok, c'est là la clé. Putain, c'est génial! Ok. Donc, c'est ça. On va quand même buter le... Voilà, parce qu'il peut y avoir une clé avec eux, on sait jamais. Ok. Ok. La carapace. Alors du coup on sait qu'est-ce qu'il faut en faire. Ok, on va faire les triples sauts, ça sera peut-être plus simple. Voilà. Et du coup, faut monter là-haut directement. Pour récupérer le coffre qui certainement il y aura. Ce qui permettra de partir d'ici. Oh, par contre, pour y arriver là. Wouah. Oh, pour y arriver ici. Ok, on va essayer de faire un triple saut. Ah, presque, t'es sérieux là? Putain, presque. Ok, en fait, je pense qu'on peut viser le coffre directement en fait. On s'emmerde pour rien. On va viser le coffre directement. Et voilà, on a réussi. Voilà, game the key. Vous imaginez pas la médaille comète aussi? Les médailles comètes dans cette version là. Oh, par contre, la caméra. Merci. Voilà, littéralement bugué. T'as, imaginez pas les comètes Speedy. Ça va être une horreur. C'est un truc comme ça qu'il faut faire. Bon, après, bon, on verra. Allez, on part. Ça, c'est génial. Cette Roma qui est géniale. I'm here! Oui, j'arrive. Bon, on aura récupéré déjà la comète, la médaille comète, donc c'est déjà bien. Ah! Ok. C'est fermé. Il nous faudrait une clé. Ah, la clé, elle peut être de partout, hein. Regardez. Ok. Si à ça, c'est pas pour rien. La clé, elle serait pas là par hasard? Elle est là, la clé. Oh, c'est génial. On revient directement en arrière et tout. C'est trop bien. Là, c'est vraiment une nouvelle façon de découvrir un petit peu le jeu, quoi. Bon, même si c'est des galaxies qu'on connaît déjà, et sachant que dans le trailer, il y avait... Enfin, en tout cas, dans l'image du trailer, il y avait une galaxie qu'on ne connaissait pas. Donc bon, après il n'y a que 100 étoiles, hein, donc il n'y aura pas toutes les galaxies, mais voilà quoi. Après peut-être si le gars se met à jour le jeu, il y aura peut-être toutes les galaxies, mais là c'est vraiment la dernière version du jeu, le gars a sorti une version stable, et il n'a pas pour le moment prévu de l'améliorer quoi. Hop. Voilà. Attendez. Vas-y, là-dedans. Vas-y, c'est pour les fragments étoiles, du coup, que je viens là. Parce que, bon, si on a besoin pour des lumas ou quoi, pour les gants pour lumas, on sera toujours content de l'avoir, quoi. Parfait. Allez, c'est parti. Sorti, let's go. Voilà. Ouh. Ok, d'accord. Donc les dalles sont un peu espacées, enfin un peu beaucoup. Ok, mieux, ça serait d'aller faire ça. Ouf.
Et il y en a une là-haut et une derrière. Voilà. Et là. Voilà. On déborde la suite. Ok. Donc là, c'est pareil, c'est par pied. C'est génial. Ah, oh, je kiffe de fou là. Alors du coup là, il y aura les Shadow Mario normalement. Voilà. Donc là, il faudra prendre un... il faudra se créer un petit chemin par contre dans notre tête. On va faire ça. Alors je l'ai jamais faite hein, cette remarque. Je ne la connais pas du tout. Bah, toutes les remarques que je vous propose, je les ai jamais faites. Donc par contre, ouais, en fait, je viens de comprendre ce qu'il faut faire. Aïe, le bâtard. Ouh là 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 là, à Zurich. Voilà. Merci. Voilà, on a réussi. Du coup, normalement, on va aller sur l'ultime galaxie de cette zone. Ok. Alors, qu'est-ce qui va être compliqué ici? Là, il y a l'étoile. Ok. Ah oui, je viens de comprendre. Il faut qu'il tombe au bon endroit, regardez. Ah, donc là, il va, c'est bon. On va réussir, normalement. Ok, c'est... Ah, merde. Ah, presque. Ah, presque. Non, 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 des fragments. Mes fragments étoiles. Parfait. On a réussi. Et voilà. Nous avons du coup notre super étoile. On va attendre un peu. C'est bon. On a réussi. Wouhou. Bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode, tranquillement. Bah ça aurait été le premier épisode de cette roumac. Oh, il y a le truc des vies. Et voilà, des fragments étoiles. Et des pièces, bon. Avec la petite musique qui a changé, vous avez vu le... Bon bah écoutez les amis, on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouvera pour l'épisode numéro 2 de ce Let's Play sur Super Mario Galaxy 2 The Collapse. Oui, ça, The Collapse. Je sais plus comment... Attendez. Mario Galaxy 2 Collapse. Cosmos Collapse, voilà, j'avais oublié le nom. Cosmos Collapse, et du coup, ben, on se retrouvera pour l'épisode 2 dans lequel on ira s'attaquer au fameux Nidushi, tout simplement. Donc, merci de m'avoir suivi pour cet épisode, et on se dit à l'épisode 2. J'espère en tout cas que ce Let's Play vous plaira. Moi, honnêtement, voilà, hein, je prends un plaisir monstre. Et du coup, ben, d'ici là, portez-vous bien. Ciao tout le monde, hey, peace!